Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon et je vais ouvrir ce coffret Arceus V. Alors j'en avais déjà ouvert un il y a quelques temps, mais c'est vrai que là je fais un enchaînement de dernières ouvertures de cartes Pokémon parce que c'est vrai que je trouve que les produits sont trop chers pour ce que c'est et il me restait quelques coffrets que j'avais pu obtenir à des prix plus intéressants. En tout cas voilà, je vais ouvrir ce coffret et vous aurez aussi une vidéo d'analyse et de statistiques demain sur ma chaîne de l'ouverture de ce coffret. Je vous dirai exactement la rentabilité ou pas de ce produit. Alors qu'est-ce qu'il contient ce coffret? Il contient une carte promo brillante d'Arceus V, une figurine sculptée d'Arceus, 4 boosters du JCC Pokémon et une carte à code pour le JCC Pokémon Live. Bon bah écoutez, c'est parti. Et puis bon, c'est vrai que c'est devenu trop la loterie les cartes Pokémon et il vaut mieux acheter les cartes à l'unité. C'est marrant ça. Il vaut mieux acheter les cartes à l'unité, ça revient moins cher. Et surtout, surtout si on est collectionneur et même investisseur, il y a des possibilités sur Card Market par exemple d'obtenir des cartes, plein de cartes autour de 2 centimes, des cartes ultra rares, 1 euro, 2 euros, voilà, donc c'est quand même moins cher qu'ailleurs. Alors, hop, Arceus V, voilà, elle est magnifique, hein, cette carte, la SWSH 204, comme vous pouvez le voir, elle est ici, hop, là, je vois qu'il y a la carte à code, je vais la mettre de côté pour la fin de cette vidéo, je vous le donnerai à la fin de cette vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi cette petite figurine Arceus V. Ok. Oh, c'est pas... C'est du plastique, hein. Ils auraient pu la faire en résine. Ça aurait plus de valeur. Et on a 4 boosters. 4 boosters d'éditions différentes, hein. Alors, on a du... on a quoi comme édition? Alors, on a Star Étincelante. On en a 2. Voltage Éclatant et Point de Fusion. C'est ça qui va être intéressant. C'est que ce sont des boosters qui peuvent être un peu... Point de fusion, c'est EB08, voltage éclatant, je sais plus, EB05, ou EB03. Bon, je me mélange, ça étincelante. Hein, donc ça va permettre de voir un petit peu les cotations des anciennes éditions, si les prix augmentent ou pas. Bon, bah écoutez, on va commencer, les amis, par le booster ici. Je ferai les stars étincelantes à la fin. On va commencer par le booster voltage éclatant. De toute façon, je vous dirai tout, même les prix, le prix de cette figurine, dans la vidéo d'analyse, avec le prix de la carte Arceus V. Vous aurez les prix, les cotations de toutes ces cartes. Alors c'est parti. Oula, j'ai mal déchiré. Alors s'il y a des éditions où les plastiques des boosters se déchirent, mais tout seul quasiment. Oh là là. La carte est même à l'envers. Allez, c'est parti pour le code pour le JCC Pokémon Online. C'est gratuit, profitez-en. Voilà. Et on va découvrir. Alors voltage éclatant. J'espère avoir au moins une carte sympa. C'est très rare d'avoir des cartes sympas. Ouh là là. C'était un peu à l'envers. Alors c'est parti, vous avez le logo en bas à gauche. Il y avait 185 cartes, sans compter les cartes extra. Allez, Doudouvet, la commune 75. Thiboudet, commune 96. Yi Magma, commune 27. Chuchmur, commune 135. Neuneuf, commune 4. Pifeuil, peu commune 11. Capsule Mémoire, c'est un dresseur, peu commune 155. Et Girafarig, peu commune 65. Énergie. Oh! Ah, un dresseur reverse. Alba Mincealor. C'est la 149. Ok. Et hop. Et une rare Voltaï, la 47. Voltaï, la 47. Bon, rien de spécial dans ce booster. Voltage éclatant. Ouais, là, c'est pas. Hop, je vais mettre là. Ça. Voltage éclatant. Rien à signaler. Bon, c'est vrai que la plupart des coffrets, ils valent 25, 30, 40 euros. Et puis bah, à l'intérieur, on se retrouve avec des cartes d'une valeur de 3-4 euros. Donc, les amis, pour l'instant, mon conseil, c'est acheter des cartes à l'unité plutôt que d'acheter des coffrets. Tant que le marché sera comme ça, d'ailleurs, je ne sais pas qui peut se permettre de vendre des cartes à 2 centimes. Allez, c'est parti. Là, on a point de fusion. Donc, c'est EB08. Avec en plus... Ah, c'est parti. Avec en première commune, Ronflex, la commune 206. Frissoni, commune 84. Fantirme, commune 128. Makuhita, commune 142. Minisange, commune 219. Volcaropote, commune 35, peu commune 35, pardon. Cuisinier, un dresseur peu commune 228 sur 264, il y a beaucoup dans cette édition. Pachiraja, peu commune 192. Une énergie électrique. La reverse, c'est Embrochet, c'est une commune reverse, la 82. Rien de spécial, et une rare électrode, la 88, voilà, c'est exactement ce que je dis, c'est-à-dire que là, je viens d'ouvrir 2 boosters, et rien du tout, il reste 2 boosters star étincelante,
C'est pareil, hein. Je vais ouvrir celui-là en premier. Allez, c'est parti. Vu combien c'était, star étincelante. EB9 ou EB10. Allez, le code pour le JCC Online. C'est gratuit. Hop. Allez, on a en premier Déden, la commune 67. Je vais peut-être les décaler comme ça. Hop, c'est parti. Et voilà, il y avait 172 cartes là. Ken Artichoul, 115, commune 115. Kelenox, commune 60. Tadmorph, commune 84. Lixi, commune 49. Pack d'eau fraîche, un dresseur peu commune 139. Cryptero peu commune 66. Et Fierté de Rosemary peu commune 145. Énergie combat. Hop, Lixi, une commune reverse. Alors, j'ai eu la version normale et voilà la version reverse dans le même booster. Alors, ça arrive souvent. En commune reverse, la 49. Et donc, Boreas, rare numéro 126. Il n'y a rien de spécial. Elle n'est pas brillante, elle est rien du tout. Même pas une holo rare. Voilà, c'est le genre de choses où il y a des coffrets comme ça, les amis, où il ne peut rien avoir du tout. Donc là, je vous donne rendez-vous dans la vidéo d'analyse et de stats. Parce que je vous dirai exactement les prix et les valeurs des cartes que j'ai obtenues. Ah, il n'y a rien, vraiment, dans les trois boosters que j'ai ouverts, c'était vraiment très pauvre. C'est pour ça que pour ce prix-là, si vous voulez dépenser 30 euros, achetez pour 10 euros de carte à 2 centimes, et achetez une ultra rare à 20 euros, au moins vous aurez une super carte. Vraiment une super carte, parce que déjà, à ce prix-là, on peut trouver quelque chose de bien. Les surcartes marquées, vous verrez. Vous pouvez même en prendre plusieurs pour 20 euros, des ultra rares. Allez, c'est parti. Écrapince, la commune 32. Gringolem, commune 82. Eoko, commune 63. Wistikram, commune 24. Chinchidou, commune 124. Ah, un petit appel. Dresseur, c'est une peu commune ceinture choix, la 135. Vibranymph, peu commune 75. Étourvol, peu commune 118. Allez, on arrive. J'espère que j'aurai au moins quelque chose dans ce dernier booster. Eoko, commune, reverse. Déjà, en plus, j'ai eu 3 communes reverse sur les 4 boosters. Une peu commune reverse, la numéro 63 et la dernière. Et Touraptor, la rare numéro 119. Rien de rien, les amis. C'est-à-dire que j'ai eu 4 rares qui sont sur mon côté à 2 centimes d'euros. 3 communes reverse, une peu commune reverse. C'est exactement pour ça, les amis, que je ne conseille pas d'acheter les produits Pokémon, c'est de l'arnaque, tout simplement. On vous vend du rêve, on vous vend des super cartes. En fait, à l'intérieur, vous achetez un produit à 30 euros et vous avez des cartes dont une valeur de 5-6 euros maximum. Et voilà, donc autant acheter les cartes à l'unité, pour 30 euros, vous aurez quasiment 10 fois plus de cartes. C'est pour ça que je vous dis, fuyez ce type de produit, les amis. Ça fait des dizaines d'analyses que je fais, c'est pour ça que je vais arrêter les analyses de produits Pokémon, parce qu'ils ne sont pas intéressants. Allez, je vous donne le dernier code pour le JCC Online. Et puis voilà, je suis en train de liquider les stocks que j'ai pu d'anciens coffrets que j'avais achetés à des tarifs un peu moins chers. Mais voilà, encore une fois, ce coffret, même à un tarif moins cher, même s'il est en promo, je me demande deux fois moins cher, je me demande si j'y perdrai pas aussi de l'argent. Donc voilà, les amis, c'était l'ouverture du coffret Arceus V. Voilà, et bah écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour la vidéo d'analyse et de stats de cette ouverture. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.